Yep. Pas tout le monde. Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur un sujet, toujours autour du blockchain, et notamment des notions qu'on entend souvent et pour lesquelles on me pose souvent des questions. Donc j'ai essayé de faire une petite présentation de manière à vous introduire brièvement ce que sont les smart contracts et ce que peuvent être les smart locks, et comment en fait ils vont peut-être basculer nos manières de consommer. Donc, pour cette présentation, je vais vous présenter deux parties. Tout simplement, la première qui sera consacrée aux smart contracts, puis une deuxième partie qui sera consacrée à qu'est-ce que les smart locks, tout simplement. Donc en introduction, je vais faire un rappel très bref. Je vous invite à consulter mes autres casts sur la définition et la nature du blockchain. Si je devrais résumer, je dirais que le blockchain, c'est une technologie innovante, disruptible, qui est infalsifiable, incorruptible, qui offre la particularité d'être distribué, sécurisé et plus ou moins rapide. Ça, je vous dirais qu'attention, au jour d'aujourd'hui, effectivement, elle semble aller dans ce sens, mais pour autant, on n'est pas à l'abri potentiellement de problèmes de hacking, puisque le blockchain est une technologie qu'on va dire informatique, et comme toute technologie informatique, il pourrait y avoir des facteurs externes, et notamment des hackers, qui pourraient mettre à mal cette technologie. Donc ça pourrait exister, ça c'est à mon sens le risque majeur. Pour autant, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une confiance grandissante autour de cette technologie et surtout un intérêt qui est international et un intérêt de par tous les acteurs, que ce soit bancaires, assureurs, des métiers libéraux comme les avocats, les huissiers, voire même dans le domaine médical maintenant. Donc voilà, c'est une technologie qui intéresse tout le monde. Allez, hop, maintenant, je ferme la parenthèse, notamment l'introduction, et je vais vous présenter ma première partie. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'un smart contract? Le smart contract, c'est un contrat qu'on va dire, à mon sens, intelligent. Pourquoi? Parce qu'il est intégré sur la blockchain. Et ça permet de rendre, on va dire, infalsifiable et solide les termes, en fait, d'un contrat, justement. Et on peut imaginer que le levier, en fait, il est activable quand les termes du contrat ne sont pas remplis. Ça pourrait être des garanties, des conditions d'indemnisation, ça pourrait être les conditions de transmission et de cession, enfin d'entreprise, de droit, d'héritage, etc., etc. Alors, d'après mes petites recherches, puisque bien sûr j'ai fait de la veille, alors, si je m'en tiens à ma veille sur les informations. D'après quelques recherches, en fait, moi, je suis assez surprise. Je m'aperçois que les premiers smart contracts, ils sont évoqués apparemment entre les années 90 et 94, alors que la naissance du Bitcoin est apparue en 2009. Donc, on s'aperçoit que les smart contracts étaient un sujet qui intéressait bien avant, par exemple, l'émergence du blockchain. Alors, on comprend que le smart contract, c'était une idée et que la technologie blockchain permet justement de concrétiser cette idée. Alors, qui c'est la première personne qui s'est intéressée au smart contract? En fait, c'est Nick Szabo. Alors, Nick Szabo, ça s'écrit donc, le nom c'est Szabo. Et lui, c'est qui? C'est un chercheur spécialisé en chiffrement, créateur, on va dire précurseur de Bitcoin. D'après quelques lectures, j'ai pu constater également que ce monsieur était peut-être en étroite relation avec Satoshi Nakamoto. Voilà, donc ça c'est pour le côté un peu mystique de l'inventeur du blockchain. Donc moi j'en sais pas plus là-dessus, qui a fait quoi, comment et pourquoi. Mais en tout cas la résultante c'est qu'aujourd'hui on a bien ce blockchain et qu'aujourd'hui on discute notamment de le fait de greffer des smart contracts à ce blockchain. Alors, les smart contracts, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un concept qui est évoqué largement donc, dans la littérature, mais on voit que les smart contracts, ils ont un côté très disruptif dans le sens où ils vont réorganiser et concourir à justement mutualiser de nombreux processus, et notamment les légiférer, je dirais, les encadrer réglementairement. Et on peut imaginer que dans le processus d'une entreprise, en fait, ça peut être la même chose. Voilà, on peut imaginer que dans une entreprise qui fonctionne selon le modèle de la chaîne de valeur de Porter, on va pouvoir avoir une réorganisation des processus majeurs, mineurs, donc le processus de management, le processus de réalisation, les sous-processus attenant à la réalisation. Donc on va voir qu'à tout ça, on va potentiellement pouvoir y greffer la technologie blockchain et des smart contracts. Donc on va pouvoir imaginer que dans le processus de facturation,
d'une entreprise, le processus de remboursement également, les processus de réclamation client, enfin bon bref, on va voir que par exemple ça va pour permettre d'optimiser voire même la comptabilité générale en rassemblant les coûts et en permettant l'exécution de contrats automatiques. C'est-à-dire que vous faites appel à un fournisseur, je prends l'exemple par exemple de Coca-Cola qui travaille avec l'Italie pour les bouchons, donc on s'aperçoit que par exemple ils commandent des bouchons depuis l'Italie, ils reçoivent les bouchons, on s'aperçoit que la densité de matière plastique en fait n'est pas suffisante pour répondre à la conformité de production. Donc on pourrait s'imaginer que tac, les bouchons repartent automatiquement en Italie et le responsable qualité, il n'a pas à relancer de multiples fois le fournisseur pour demander un remboursement. Ça pourrait se faire de manière automatique. Donc ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Donc la gestion des contrats automatiques et donc l'économie de coûts également pour les entreprises. Donc également pour le particulier, parce que si vos actions ou vos transactions sont formalisées au travers des contrats qui sont tracés et immuables, ben ça par exemple ça va vous donner l'opportunité de comment je dirais de réduire les litiges potentiels et les impayés que vous pourriez avoir et les remboursements ou les indemnisations. Puisque en tant que consommateur, vous pourriez imaginer avoir des remboursements automatiques. On prend le cas dans d'autres castes de ce que je vous avais donné. Par exemple, vous prenez un train, vous prenez un avion, cet avion ou ce train a un retard. Avant, il vous fallait remplir des formulaires pour demander à être remboursé. Bah, vous pourrez imaginer que, hop, quand vous allez acheter votre billet, en fait, ce billet va être acheté directement sur la blockchain, que dans ce blockchain, vous aurez des garanties ou des contrats associés qui stipulent effectivement que si votre vol ou votre avion enfin, où votre train a bien des retards, vous serez remboursé automatiquement. Donc ça devrait vous simplifier la vie. Donc ça, c'était un autre exemple. Donc ça va simplifier notamment les litiges et voire même peut-être désengorger les tribunaux et enfin optimiser la longueur de la prise de décision des jugements également. On sera beaucoup plus en fait dans décision on-off, conforme, pas conforme. Donc cette techno qui est basée en fait sur les smart contracts, elle vise une réorganisation de nos modes de gouvernance, mais voire même de nos modes de management. Et ça va intégrer des notions d'économie. Et oui, parce qu'on va faire des économies, nous particuliers, mais également les professionnels ou voire même les institutions. Voilà, on va optimiser la gestion de nos coûts. Et ça, c'est une promesse aujourd'hui. Et ça vise quoi? Une gestion globalisée qui sera simplifiée, mieux tracée, donc moins onéreuse, plus facilement auditable et automatisé de façon intelligente. Et ça, c'est la promesse du futur. Donc si on regarde avant ce qu'on avait, c'est que c'est pas nouveau en fait, hein. On a eu une innovation qui a été progressive, par exemple, notamment dans les entreprises, puisque si on regarde la technologie, on a dans les entreprises une technologie qui s'est succédée. Donc, par exemple, dans les entreprises, en fait, si on reprend des entreprises comme par exemple Coca-Cola ou d'autres entreprises dans l'agroalimentaire, on s'aperçoit que dans leurs unités de production mère, on a des unités qu'on va appeler PLC, SCADA. En fait, ce sont des automates de production. Ces automates de production, pour harmoniser la gestion de ces automates, on les a reliés à un système qui est plus mutualisé, qu'on appelle le système MES, le Manufacturing Executing System. Donc ce MES, en fait, il a permis de superviser tous ces automates, qu'on va dire, de production pour avoir ce qu'on va dire un regard sur la production en temps réel. Voilà, et répondre également à un souci de conformité réglementaire, puisque voilà, la conformité augmentant, il y a plus de besoins de traçabilité et de qualité, et pour répondre à ces exigences, on a informatisé. Donc la première couche, je vous ai dit, dans la production, unité de production, on avait des automates de type PLC, SCADA. On est venu rajouter une couche en fait sur ce qu'on pourrait appeler notre pyramide, c'est le Manufacturing Executing System. Puis à cette deuxième couche, à la pointe de la pyramide, on a mis un autre système globalisé qui est très très à la mode et dont on parle énormément, c'est le système SAP ou le IRP. Voilà, SAP ou IRP. Donc voilà, le blockchain, en fait, il va vouloir venir englober tous ces systèmes automatisés qui étaient dans nos entreprises. Ces systèmes automatisés, ils étaient dans un système qu'on va dire fermé. Donc c'était vraiment à l'interne de l'entreprise. Aujourd'hui, on vient de rajouter un système blockchain qui, lui, va pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur. Et donc, on va pouvoir y implémenter d'autres facteurs qui vont optimiser la gestion et l'efficience de l'organisation des entreprises. Donc voilà, j'espère avoir été simple, mais j'en doute. Allez,
Donc, vous l'avez compris, cette techno, elle va venir réorganiser, voire même réviser la chaîne de valeur de porteurs, que ce soit d'une société, d'une entreprise, d'une institution, d'un banquier, d'un assureur, et voire même de la façon de consommer du particulier. Et oui, le particulier n'est pas en reste. Et lui aussi, peut-être, il pense bien sa vie innovante future, bah, il pourra être amené à faire quelques économies. Voilà. Alors maintenant, les smart contracts. Si on regarde un petit peu un bonhomme qui est très intéressant, ce monsieur-là, il est fascinant, c'est un jeune développeur, vous avez peut-être entendu parler de lui, il s'appelle Vitalik Buterin, et lui, en fait, c'est l'inventeur, le précurseur, le prodige, en fait, de l'informatique, et il a mis en place une formidable symphonie autour des algorithmes qui a permis d'élaborer ce qu'on appelle la chaîne, le blockchain Ethereum. Et de ce blockchain Ethereum est née également l'idée d'y associer des smart contracts, ou encore, on va dire, des tokens. Ce sera un autre sujet. Ces smart contracts, en quelque sorte, ce seront quoi? Bah, ce sera un programme qui va contrôler, en fait, directement les actifs numériques. Voilà. Et pour rappel, maintenant, si on revient un peu sur Vitalik Buterin, parce que lui, c'est quand même un développeur qui est très jeune et qui est très fascinant, il a créé, en fait, Ethereum et cette techno et la promesse des ordinateurs futurs, en fait, c'est une techno qui est, à mon avis, explosivement prometteuse. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit que le programme, en fait, il va lancer le code à un moment donné s'il valide automatiquement une condition. Et il détermine ainsi si l'actif doit être envoyé à une personne ou renvoyé à une autre. Ou s'il doit être remboursé immédiatement à la personne qui l'a émis ou à une combinaison de tout cela. Fermez les guillemets. Donc voilà, on est vraiment face à des contrats, qu'on va dire, d'intelligence supérieure. Donc ces smart contracts, ils vont permettre de garantir en fait l'exécution ou pas des conditions très précises automatiquement, en évitant ainsi ou en diminuant de façon conséquente les litiges. Et c'est bien également là un axe qui devrait justement influencer la transformation des métiers, notamment de juristes, d'avocats, d'huissiers, etc. Donc voilà pourquoi ce sont des métiers qui sont voués à être transformés et on comprend toute la dimension de la transformation de ces métiers. Donc les contrats, ils pourront être représentés par des sortes de templates et ces templates, en fait, on pourrait s'en inspirer et on pourrait, à partir de ces templates, en fait, rajouter des spécificités aux contrats qui pourront justement préciser les conditions d'exécution des contrats. Voilà. Donc des sortes d'ajouts de conditions particulières ou d'avenants. Donc maintenant, si on s'intéresse en pratique à ce que ça pourrait donner, on peut imaginer des smart contracts et une voiture connectée, qu'on va dire autonome ou intelligente. Vous avez deux cas de figure. Vous avez votre voiture avec votre ordinateur de bord. Votre voiture, elle est amenée à vieillir un peu ou voilà, il va falloir assurer une maintenance, on a des pièces qui s'usent. Donc vous pourrez imaginer que par des smart contracts, par exemple, votre ordinateur de bord, il sera capable de déceler quelle pièce de votre voiture va être défectueuse dans quelques temps. Donc il est capable d'anticiper justement les non-conformités, d'anticiper les défauts qu'il pourrait se prévoir. Donc il va vous aviser, il va vous dire, bah voilà, vous avez un capteur qui est défaillant, une jauge qui est défaillante, etc. etc. Validez la commande de la pièce, donc vous validez la commande de la pièce, votre petit robot d'intelligence artificielle dans votre smart contract, ben, il va définir voilà, l'achat d'une pièce avec un fournisseur donné parce que vous avez validé ce fournisseur. L'achat de cette pièce va se faire automatiquement. Et vous, chez vous, ou même pas chez vous, ou directement chez le fournisseur va recevoir vos pièces, puis vous aurez un petit rappel dans votre voiture, parce que justement, vous aurez un rendez-vous qui a été mis en place et vous saurez que vous devez aller voir votre garagiste à telle et telle période pour remplacer cette pièce. Voilà. Tout ça, justement, avec ben, des voitures, on va dire, connectées et intelligentes. Vous avez un autre cas de figure qui est les litiges. Par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous avez un accident. Eh bien, ça va être beaucoup plus facile de résoudre les remboursements et les litiges accidents, puisque grâce à votre ordinateur et tous les capteurs que vous aurez dans votre voiture, eh bien, vous allez avoir des smart contracts qui, par exemple, également vont déclencher l'exécution de cette smart contract en fonction des données externes, c'est-à-dire des informations légales. Sur vos informations de précision, les conditions d'accident, les conditions de survenue de l'accident, l'information sur la gravité, l'impact du choc, la nature des blessures. Vous allez avoir par exemple, automatiquement, donc la survenue ben, de la police, des pompiers,
exécution automatique de la demande d'aide de base, et puis à côté, l'exécution de vos contrats, c'est-à-dire que vos contrats d'assurance vont se mettre en place pour la prise en charge en fait de vos dommages corporels, on va dire, potentiels, et puis des dommages matériels. Tout ça de manière automatique. Et votre litige, il sera résolu on-off. Avant, on avait, je dirais, des comment, dans le cas d'accident de voiture, bon ben vous réalisiez, en fait, j'ai oublié le nom, vos constats, voilà, en version papier, et bien là, vos constats, ils n'auront plus lieu d'être, en fait. Tout simplement, avec tous les capteurs qu'il y a sur vos voitures, la police, les assureurs pourront avoir tout simplement les informations exactes des conditions de survenue de l'accident et évaluer par là même, en fait, votre niveau de responsabilité et, en fonction de votre niveau de responsabilité, engager les indemnisations et remboursements. Donc, vous y gagnez du temps et on y gagne de la précision dans la résolution des litiges. Donc, voilà, ça, c'était un peu pour vous faire comprendre un peu dans l'aspect, deux aspects courants de notre vie et dans notre mode de consommation, c'est anticiper justement les défaillances d'un véhicule, et puis à côté, vous pouvez avoir une résolution de problème dans le cas de litige. Puis il y a un autre exemple des smart contracts que je pourrais vous citer dans un cas un peu pratique, c'est par exemple les smart contracts dans les transactions immobilières. Vous allez pouvoir inscrire en fait sur la blockchain votre transaction, un achat immobilier, et voire même enregistrer en fait au cadastre numérique vos nouveaux actes de propriété, et vous allez pouvoir finaliser les ventes. Vous allez pouvoir associer à votre contrat de base de nombreux autres contrats. Ça peut être des garanties de remboursement, des garanties au regard du bien, les garanties décennales, etc., etc. Donc voilà, vous allez avoir un élément déclencheur du contrat et ça va donner une réaction en chaîne domino sur l'exécution des autres contrats. Voilà. Donc allez, moi je dirais que dans cette première partie, qu'est-ce qu'un smart contract? Pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces smart contracts, ils vont viser à encadrer et automatiser les clauses en fait légales d'un contrat. Donc quelque part, on a vraiment un encadrement réglementaire grâce à cette techno. Ces smart contracts, ils visent également à modéliser et à automatiser l'exécution des contrats au sens large du terme. De plus, ces smart contracts, ils visent à réduire les compliances, les good practices. Enfin, les bonnes pratiques et également la traçabilité et donc la qualité globale d'exécution, tout simplement des contrats. Allez, maintenant on va passer toujours dans cette première partie, aux smart contracts. Et quels sont les principes de fonctionnement de ces smart contracts? Alors, le smart contract, on va y revenir. Donc, c'est une base de code qui est programmable. Et ça appartient au protocole de la blockchain. Et en fait, cette base et ce code programmable, il va s'auto-exécuter si certaines conditions qui ont été prédéfinies dans les contrats sont remplies. Voilà, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure des retards pour les vols d'avions et des trains. Ça pourrait être un exemple. Ça pourrait être d'autres conditions également. Alors, ces smart contracts, ils vont s'enchaîner comme des dominos qui vont s'incliner séquentiellement. Le premier qui tombe dans la bonne direction fera tomber les suivants, etc., etc. Donc, exemple, on pourra imaginer que, par exemple, si on s'intéresse au notaire, il ne va plus être sollicité pour déclencher l'exécution d'un héritage. En fait, ça va pouvoir se faire sous le contrôle d'une application blockchain automatique. Un autre exemple, ça pourrait être que l'exécution du mariage, il pourra se faire automatiquement en passant également par le blockchain. Et là, forcément, il y a une grosse problématique autour de la légalité et de tous les aspects juridiques liés à la blockchain. Ça, c'est une grosse, grosse problématique. Comment est-ce qu'on encadre réglementairement justement l'application de ces contrats sur les blockchains? On a une autre remarque qui pourrait être mise en place, c'est que grâce à la techno Ethereum qui avait été lancée en 2015, l'imagination à ce jour, elle est sans limite et grandissante. Et on a de nombreuses idées qui résonnent dans le champ des paiements, notamment B2B, c'est-à-dire de la personne à la personne. On a également de nombreuses applications, vous l'aurez compris, dans le champ des micro-locations et du tourisme, mais également dans l'économie collaborative, puisqu'on va pouvoir s'imaginer que les personnes en direct vont pouvoir prêter voiture, appareils photo, matériel, etc. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'après nous être intéressés aux smart contracts, les contrats dits intelligents, eh bien, on va commencer à s'intéresser dans la deuxième partie aux smart locks. Et on va s'apercevoir qu'en fait, les smart locks, c'est juste en fait une ramification des smart contracts. Tout simplement, c'est un autre moyen d'exécution automatique des smart contracts.
Alors, dans notre deuxième partie, donc, qu'est-ce que les smart locks ou encore les serrures intelligentes? Pour résumer, ce sont en quelque sorte des contrats qui vont permettre l'exécution de contrats entre propriétaires, par exemple, et locataires. Ça peut être des locataires immobiliers ou des propriétaires de biens ou d'objets connectés ou d'objets avec des serrures. Alors, les smart locks, ce qu'il faut retenir, c'est un projet entrepreneur, c'est slow kit. Et notamment, en fait, les porteurs de ce projet, donc on va parler de Christophe Jentzsch, oh, désolé, Jentzsch, et Stéphane Tual. Alors, Christophe Jens et Stéphane Tual, en fait, eux, ils ont ambitionné aussi de créer une infrastructure liée à la future économie de partage, donc l'économie collaborative. Et eux, voilà, ce qu'ils ont évoqué en premier lieu, c'était les intérêts au regard de l'économie touristique et ou de location, mais les applications sont bien, bien, bien plus larges. Leur projet, en fait, Slow Kit, c'est quoi? C'est une promesse, en fait, de lier des objets, on va dire, physiques avec la blockchain, notamment la blockchain qu'ils ont créée en 2015 avec Vitalik Buterin, qui est la blockchain Ethereum. Et sur cette blockchain, ils vont y ajouter en fait des smart contracts et des smart contracts spécifiques qui viennent interagir, ce qu'on appelle les smart locks ou encore serrures connectées intelligentes. L'objectif, ça va être quoi? Ben, l'objectif, ce serait de pouvoir en fait démultiplier les possibilités d'exploitation et d'utilisation de la blockchain. Et les objets en fait qui vont être associés à cette blockchain, ils vont pouvoir être aussi divers que variés. Tout ce qui est connectable et tout ce sur quoi on va pouvoir mettre des serrures, ça va être donc des cadenas, des fours, des voitures. Et actuellement, notamment, en fait, Slowkit travaille vraiment sur des cadenas physiques qui vont être sécurisés. Donc, l'idée, ce serait de relier la serrure, par exemple, de votre maison ou votre appartement à un smart contract de location. C'est-à-dire que grâce à ça va vous permettre à quoi? Ben, en tant que propriétaire et locataire, ben, d'avoir un contrat établi en bonne et due forme. Ça va vous permettre de payer le prix juste, peut-être même en Bitcoin, de payer par une transaction qui est dite sécurisée, de connaître à l'avance toutes les conditions de garantie et d'exécution de votre contrat. Donc à ça, vous auriez ben, pas de mauvaises variables, c'est-à-dire vous connaîtrez toutes les conditions de garantie et vous n'aurez pas de surprise avec ben, des coûts supplémentaires. Et en fait, cette exécution, l'exécution de ce contrat, il se mettra en place de manière très, très, très simple. Voilà. Et à un contrat, vous pourrez avoir de nombreux sous-jacents de contrats. C'est l'effet domino. Donc, si on imagine et que vous vous représentez en fait trois parties, donc vous avez, si vous vous représentez dans votre tête visuellement, vous avez une case avec objet, vous avez une autre case avec un Ethereum computer qu'on appelle parfois le hub, et de l'autre côté, vous avez une boîte qu'on va appeler le blockchain. Et en fait, ces trois boîtes vont être connectées et par des protocoles de communication vont interagir entre elles. Donc, vos objets, ils pourront être connectés comment? Ben, on peut envisager le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Vous aurez en fait vos objets, en fait, ils vont être rattachés sur le blockchain et sur ce blockchain, vous aurez également mis en place des smart contracts et des serrures connectées. Et de par les connexions avec l'Ethereum computer et la blockchain, en fait, vous allez avoir ben, des clauses de contrat qui vont s'appliquer ou pas. Tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un smart contract et donc un contrat LOX, ça peut contenir en fait plus d'une transaction pour chaque objet. Donc, il y a vraiment un effet domino. Vous avez un contrat et à ces contrats, vous avez des sous-jacents. Donc, vous êtes capable de définir la profondeur des contrats et des conditions d'exécution des contrats, des garanties, des indemnisations et autres. Donc, si on reprend l'exemple toujours de la location saisonnière. Hop là! Toujours de la location saisonnière qui prend fin. Alors, par exemple, si vous introduisez à date de fin du contrat de location, vous introduisez votre clé dans la dernière fois pour la serrure, vous allez fermer la porte de cette location. Une fois que vous allez fermer la porte de cette location, en fait, dans votre contrat mère, vous allez avoir des contrats sous-jacents et vous pourrez enclencher par la même, par exemple, le contrat de nettoyage qui va s'enclencher, lui, automatiquement, par exemple, après la validation de l'état des lieux qui pourra se faire également. Et dans ces smart contracts, vous pourrez également nominer avec exactitude les personnes qui seront responsables, de l'exécution physique de ces contrats. Donc, ce qu'il faut retenir à tout ça, c'est qu'on a quand même un aspect qui est critique. Et que l'aspect critique autour de tout ça, c'est la réglementation. Puisque au jour d'aujourd'hui, en fait, qui
et le responsable juridiquement, le détenteur de la plateforme, par exemple Slowkit, qui pourtant se définit comme ne se définit pas comme un tiers de confiance à la différence de Airbnb. Donc il y a un transfert de responsabilité, donc on peut se demander effectivement où est transférée la responsabilité dans l'exécution de ces contrats. Voilà, qui est responsable s'il y a un incendie, s'il y a une victime, qui indemnise? Si vous êtes dans une location et que dans cette location, bah, malheureusement, vous avez un incendie qui se déclare, voire même des victimes collatérales, et bien, comment se met en place justement l'indemnisation? Ça, c'est une grosse problématique. Donc, si on regarde maintenant le cas pratique de Slowkit et de la location, comment est-ce qu'on pourrait imaginer que ça se mette en place? Eh bien, vous avez le propriétaire d'un bien immobilier qui va louer son bien. Il va donc définir en fait le coût de la location, le montant de la garantie, etc. Donc, tout ça, c'est défini dans un contrat qui est rattaché au blockchain. Le locataire intéressé par la location, lui, il va pouvoir décider de réserver ce bien en passant donc soit par la plateforme Slowkit ou une autre plateforme, et il pourra donc valider les conditions d'exécution de son contrat. Voilà, c'est-à-dire le blockchain plus le smart contract. Et il pourra alors de ce fait payer en Bitcoin de façon sécurisée, ce qui lui permettra de réserver ce bien. Et puis à date d'exécution du contrat, il pourra introduire sa clé dans la serrure connectée et rentrer tout simplement dans cet appartement. Voilà, s'il essaie d'aller en avance, par exemple, on peut imaginer que la serrure ne s'ouvrira pas. Donc tout ça, ça va se faire comment? Eh bien, avec le smartphone. Donc le smartphone, c'est vraiment l'avenir. C'est l'avenir pour vivre, pour modifier nos modes de consommation et d'usage, mais également nos modes de paiement. Donc allez, maintenant je vais vous libérer. Donc si on devait conclure sur ce sujet, je dirais que les points communs à ces contrats, ça réside justement sur la disparition de ces tiers. Le problème, c'est que si on a une disparition des tiers, l'avantage, c'est ok, on l'a compris, on a une réduction des frais de gestion, mais où est transféré la responsabilité? Puisque quand on payait cette tiers de confiance, on payait également un encadrement de la gestion de nos risques. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a plus de tiers, qui encadre nos risques? Donc ça, c'est un point sur lequel il va falloir être très attentif. Donc un autre point que je dirais pour fermer ce sujet dans la conclusion, c'est l'élément et le risque majeur associé à ces sujets, ça reste également leur vulnérabilité informatique, puisque j'ai beaucoup parlé de Vitalik Buterin et de la blockchain et du projet Ethereum et des smart contracts, sauf que par exemple en 2016, il y a quelque chose qui est important à retenir, c'est qu'on avait une levée de fonds qui a été extraordinaire par exemple pour la DAO. La DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization. C'était une organisation mise en place par Vitalik Buterin qui devait servir à financer et à gérer les projets de Slowkit. Et en fait, ça a été hacké. Donc les fonds ont été dérobés. Donc là encore, on voit bien que y a encore quelque chose qui... Il y a des événements qui touchent en fait la confiance au niveau de toutes ces technologies. Donc ça, j'avais quand même envie de fermer et vous le rappeler en conclusion. Donc moi je dirais que justement l'attaque de cette DAO, elle a de nouveau ébranlé la confiance numérique. Donc on voit bien que quand on voit l'envolée du cours de Ethereum et notamment des tokens ETC, on voit que la confiance s'est rétablie très rapidement, mais pour combien de temps? Voilà, donc il faut faire très attention à ces technologies, voilà, qui ont une grosse faille en termes de hacking et de solidité informatique. Voilà, maintenant je vous fais un gros bisou, j'espère que j'aurais réussi à aiguiser votre curiosité et que vous aurez réussi à me suivre jusqu'à la fin. Je vous dis yépa, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse très fort.